Bonjour et bienvenue, je suis l'Ancien01 et aujourd'hui on nous en fait un nouvel épisode d'Elite Dangerous. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit RES tranquillement, accompagné de mon collègue Alex Dracos. J'espère que vous allez bien. Et donc nous allons faire des petits RES en multicrew, donc du coup en équipe quoi, tout simplement. Donc on va lancer ça immédiatement. Et c'est parti. Alors, si vous entendez des petits parasites, ça vient de mon pote, son téléphone il est chargé à côté de de quelque chose et on reçoit merde, les bugs, mais bon c'est pas grave. Ah, du coup, petit RS, c'est parti. On entend bien ton parasite là. Évidemment, ça s'intensifie. C'est horrible. Je me rappelle même plus des touches, quoi. Ça. Les touches? Ah ouais, carrément. J'ai pas l'écran qui s'affiche en face de moi. Ah. Même sur les côtés, j'ai pas les écrans, j'ai rien qui s'affiche. Ah ouais. Je peux même pas faire le rôle d'artilleur, en fait, ça sert à rien. Par contre, ton téléphone, mets-le en mode hors ligne parce que là, il parasite trop. Hein. Ouais, parce que là j'ai entendu les parasites. Bah tu as réglé sur une touche, non? Non, même de base, c'est sur l'écran. Sur l'écran. Ah, c'est bon. C'est bon? En plus, non, en plus, les touches. Ah. J'ai écrit un truc dans le chat. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc voilà, aujourd'hui ça sera un petit épisode, on va dire, en mode RES peinard quoi. Ça va un peu comment dire, changer un peu du quotidien basique que j'ai pour les vidéos, entre le farming des rangs qui est très important pour débloquer le vaisseau, mais aussi le farming de l'argent que j'ai besoin pour débloquer le vaisseau aussi. Donc du coup j'avais dit dans l'épisode précédent que j'avais fait un petit RS soit tout seul ou soit en coop. Donc là je suis en coop, finalement c'est très bien. Donc voilà. Et du coup toujours aucune nouveauté par rapport à Elite Dangerous, j'ai pas eu de nouveauté. Non, je sais toujours pas où il y a les météores d'ailleurs, des stations spatiales météorites. Il faut que je me renseigne pour faire un petit tour là-bas. Parce que c'est des ajouts qui a été ajouté tout simplement lors de la dernière mise à jour, hein, donc la 2.3, où ça a ajouté la multicrew et tout ça. Mais ils ont aussi ajouté une nouvelle station spatiale qui sont intégrées dans un météore. Je pense que ça peut être sympa à visiter ça aussi. Faut que je cherche ça immédiatement, faut que je voie ça, que je trouve ça, mais malheureusement toutes les missions de transport passager que j'ai eues, je suis jamais tombé dessus. Et naviguer au feeling, c'est pas très recommandé, à savoir qu'il y a énormément de stations, de systèmes solaires et de galaxies, enfin de pas de galaxies, mais de systèmes solaires explorables. Donc du coup ça serait vraiment assez, enfin ce serait vraiment assez long à trouver quelque chose. Il faut que je regarde où il y a ces fameuses météores. Alors je pense que, dans la logique des choses, je pense que ça serait dans un système minage. Je pense que ça serait logique avec les météores et tout ça. Donc du coup ça serait vraiment un biome minage dans une météore. Il faut que je voie ça pour voir si je peux trouver ça.
et voir un peu ce qu'ils ont fait quoi par rapport à cet ajout là quoi. Alors. Côté obscurité? Non. Non, non, vous allez doucement, parce que là, j'étais en train de regarder les touches pour savoir comment on faisait déjà pour scanner et ranger les armes, etc. Tu vois, c'est pour te dire. Donc, on va y aller doucement. Non, c'est bon, j'ai eu peur qu'elle était en côté obscur, mais non, elle est côté de la lumière. Ah, moi, il faut que je me réhabitue du Cobra aussi, vaisseau de merde, là. Lol. Putain, avec mon coursier, je me massacre un piton, hein, moi, tout seul, sans problème. Mais avec le Cobra, en mode galère, quoi. Une vraie merde, ce vaisseau. Ok. Bah, faut espérer que le réseau tiendra. Hein. Ouais, c'est la seule chose que faut. Prions pour le réseau. Ouais. Moi de mon côté je risque rien, je suis avec mon téléphone mobile, mais de son côté il est avec la box là. Ok, bon, on est arrivé. Mettre un peu plus de... voilà. Alors je sais pas, il y a une mise à jour, je sais pas si ça a changé les touches en fait. Hein. Ah non, ça a déjà changé la touche. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, en face, on a un impérial courrier qui est en escouade de 3. Ouais. On a un impérial Indial. Il est tout seul, juste en face. Ben, Rafa le petit d'abord, hein, histoire que tu te mets dans le bain. Legal ? Bah, s'il est recherché, ouais. Hein. Il est recherché, il est tout seul. C'est reparti. Sécurité qui tire dessus. Oh, il y a des vaisseaux alliés qui sont engagés. Ok. Fais gaffe aux vaisseaux alliés, hein. Ok. C'est bon, il est mort, c'est bon. Ah, il y a un vaisseau allié, c'est un piton. C'est relativement calme à première vue.
On a eu mieux que ça, quoi. Bah après les RS ça varie aussi, hein. C'est pas non plus le meilleur moyen de se faire de l'argent. Hein. Une équipe de 3, il y a un adder. Il y a un adder. Et deux eagles. Et deux eagles, un adder avec deux eagles. Ah. Et derrière, il y a un autre vaisseau un peu plus haut. D'ailleurs, on se fait scanner par lui là. Derrière, il y a un cobra qui est tout seul. Derrière? Ouais, ça fight là-bas. Ça? En face. Ouais. C'est qui? Oh là là, ce vaisseau de merde qui peut même pas booster. Attention vaisseau allié. Hein. Attention vaisseau allié. Attention vaisseau allié. Oh yeah. C'est bon, il est mort. Il tient encore. Ouais. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de vaisseaux alliés là dans le parage. Ah bah il a été détruit. Trop tard. Tu tires sur quoi là? Un nadeur au-dessus, vu qu'il y a la sécurité, on est tranquille. Ouais mais fais attention hein, il y a beaucoup de vaisseaux alliés là. Ouais mais je touche histoire d'avoir la prime. Oui je sais ouais mais bon fais attention de pas toucher un allié quoi. Non mais un adder quoi, le pauvre. Ça va toujours là? Merde. T'as touché quelqu'un? Ouais, le laser il a dévié. Ah bah on va se barrer, c'est pas grave. T'es en train de tirer sur le Eagle et puis... Ah putain, ce vaisseau de merde là. Ok, bon. On va changer de système. Alors. Tu peux pas juste payer l'amende et revenir après? Ah non. Pas de suite, non, il y a un temps.
combien d'arrêts là? 2. Ça va être rapide. Éventuellement fait nul. Il y a que deux jumps, hein. Il y a pas beaucoup. Hein. Voilà. Alors. Carte galactique. Je vais plutôt système, mais bon, c'est pas grave. Ici. Ouais, c'est là. On est à combien? 1000 CL? Bon, ça va quand tranquille, peinard, peinard. Ouais. Donc, du coup, t'as touché un CQ sans vouloir. Ouais, ouais, je suis en train de tirer sur le Eagle, quoi. Puis là, il s'est déporté. Le faisceau, il a dû faire un petit peu le mi-tour quand il se tombe pas assez loin. Et il tirait du poil sur lui qui était à côté. Ouais. C'est des trucs qui arrivent en général. Enfin, surtout quand on est en multicrew, j'ai l'impression. Quand je suis tout seul, c'est rare que ça m'arrive ce genre de choses. Mais en multicrew, ça arrive plus, j'ai l'impression. Parce que du coup, je sais pas. C'est peut-être plus difficile vu que t'es avec la caméra libre autour du vaisseau. C'est un peu la misère quoi. Des fois, quand tu tournes dans certains endroits, comme ça, et que moi je tourne avec la caméra. Ouais. On tourne pas forcément dans le même sens. Ok, les lasers après ils se remettent en place. Donc, ah bah. Tu, par exemple, je suis en train de tirer, les lasers ils se remettent en place tout seul, ils continuent de tirer, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un arc de cercle et tirer où je vois pas là où j'ai pas envie de tirer, que je reste appuyé pour tirer. Ah ouais. Le temps que je relâche, le temps qu'ils se remettent en place, il se peut qu'il y ait un vaisseau qui est à côté qui prend un coup. C'est vrai que ça peut être assez chiant. Ah c'est ça qui est chiant en fait. Hein. Alors que quand t'es tout seul, bah ça se fait pas trop parce que du coup tu accroches la cible et plus. Donc du coup c'est plus précis, j'ai l'impression, quand t'es en solo que quand t'es en multicrew. Ce qui est bizarre d'ailleurs. Mais en même temps c'est un peu logique vu que c'est une caméra externe, c'est quand même peut-être moins précis que si t'es en direct avec le vaisseau quoi. Je sais pas. Surtout que c'est des tourelles. Ouais c'est des tourelles hein. Ouais bah oui, quand t'es tout seul les toiles elles tirent automatiquement. Donc du coup elles sont plus précises. Alors que toi tu utilises les tourelles manuellement toi. Ouais donc c'est ça, c'est plus précis en fait. C'est plus précis quand t'es tout seul que quand t'es en multigroupe première vue. Ouais, bon c'est pas grave. Je cherchais quoi? Ah oui. Du coup. Ouais 400 crédits. 400 crédits d'amende quoi. Ok ok. Bon, alors on a quoi ici? Si extraction riche, ça fait quoi ça? Oh bah c'est très bien.
si on croise plein de pitons, etc. C'est bien. Ouais. Ça peut être sympa. Bah après, voilà, ça peut être sympa, mais avec le cobra, franchement, je suis pas sûr avec le cobra, moi te le dis. J'ai beaucoup moins confiance au cobra qu'avec mon coursier, mais d'une puissance. Ok. Du coup, nous changeons biome de glace, c'est assez joli aussi. Alors. Il y a un Viper au-dessus. Tu me diriges vers le Viper là? Ah, tu vois plus loin que moi. J'arrive pas à le loquer, moi. Faut que je m'approche plus. C'est près de 7 km déjà. On a environ 8 km, j'ai plus le loquer. Ah ouais, c'est marrant ça. Moi, je peux pas le loquer, moi. Ouais, là, je peux le loquer à peine maintenant. Viper, Elite. Ouh, ça risque de faire mal. Ouh, il y a un autre vaisseau à côté. Ouais, c'est pas grave. Tant pis. Vas-y, attaque le... Il est pas en escouade, donc c'est vrai. Ouais. Il est pas en escouade. C'est moi ou il s'est planté contre la météore à moitié? Quasiment, par contre il fait mal. Ouais, je vois ça. Il tire pas mal. En même temps c'est un Viper. MK4 il est orienté combat par rapport au MK3. Donc il y a des petits bonus un peu plus intéressants. Ouais, bah fais attention. Hein. Qu'on puisse essayer de faire 30 minutes de RES, c'est pas que du transport. Question, ils sont copains ici les gens ou pas? Oui, je crois qu'ils sont en vert. Vert, ouais. Ok, je pense que ça va mieux. Ouais, je les ai farmés pour qu'on soit alliés, pour qu'on soit minimum avec eux, pour qu'on puisse mieux les séparer des autres vaisseaux. C'est bon, il est mort. Ok. J'avais vu un gros vaisseau à côté, un genre de fédéral gunship ou que je sais pas quoi, en espérant qu'il était hostile. Ça serait pas mal. Il y a un Eagle juste au-dessus de nous. Droite. À ma droite. Okay. Ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Ça tire là-bas, attends, là-bas ça tire, c'est peut-être plus gros, non? Vas-y, prends. Je sais pas, ça va se concentrer sur une cible là-bas, en espérant que c'est un piton. Ce qui m'étonnerait, même s'il se défend plutôt pas mal. Ouais, il n'y a plus rien. Je crois que c'était un petit vaisseau de merde, je pense. Ouais, il n'y a plus rien. Tant pis. Enfin, il y a un vaisseau là-bas, mais je crois pas que c'est lui. C'est un ladder. Oh non, je pense pas que c'est un ladder, hein. Lol, un ladder, quoi. Ah, il est recherché, ladder, par contre, hein. Ah ouais. Ça fait ? Bon, enfin, c'est un ladder, quoi. Mais bon, ouais, ça fait toujours aller 1000 crédits, on va dire. Il y a un CQ à côté, en plus. Je crois qu'il a eu chaud au cul, lui. Alors fais attention au vaisseau allié.
Ok. Fais gaffe au vaisseau allié. C'est bon, il est mort. Surcharge détectée. Il y a un mec qui se barre là. Ouais, il y a un mec qui se barre. Ah, ça, il est gentil, celui-là. Il y a un fédéral dropship aussi. Ouais. Il est recherché? Ah ouais, deux. Avec le Legal, je suppose. Le Viper. Ah, ils sont avec le Viper à côté. Ouais. Il y a la sécu qui est pas très loin à côté. Ouais. On va engager le plus gros, je pense. On va essayer. Ah, oh là là, ce vaisseau, la lenteur de ce vaisseau pour se maniabler. Oh là là, j'ai l'impression qu'il est en train de tomber quoi. Le bouclier en lâché. On est en train de sévère morfler là. Je peux pas dire mais là. Ouais, il faut se barrer. Il faut se barrer. Mets tout sur le... Ah non, c'est bon. Mets sur le système. Voilà. Ok. C'est bon. On va réussir à barrer. Oh, le cobra de merde. Putain. T'aurais pu rester autour. Ouais. 16% de coque il reste. Bon, il faut réparer. Du coup. Oui. Run City. Ouais. Pas beaucoup de crédit, hein. Ah, on a eu mieux, hein. On a eu beaucoup mieux que ça, là, on a été malchanceux, mais d'une puissance.
sont rentrés les 30 minutes là, non? Ah ouais, ça a dépassé, ouais. Bah, puis on s'arrête là, ça en aura fait deux missions de merde, mais bon, on aura fait deux secteurs différents. C'est clair. Si je veux mon Sin Winder, on les aurait tous pétés, tu vois. Mais tu veux pas que je vienne avec mon Sin Winder? En même temps, ton Sin Winder, il vient même pas jusque là. Hein. Voilà, mais c'est toi qui viens chez moi. Oui. Toi, le chez moi, c'est deux sauts à peine. T'es tranquille. C'est un de pété. Ouais. Sauf que là-bas, le compte que tu couvres, c'est la Fédération. Ouais, alors c'est pas grave, on s'en fout, c'est la prime qui nous intéresse. Bon, regarde, t'as plusieurs, toi, un gars, c'est un impérial qui vient pour aider la Fédération tellement ils sont nuls, tu vois. Ça, tu penses à péter auprès de la Fédération. Bah alors, les gars, hein, on arrive pas à niquer des petits bandits qu'il y a dans votre secteur, hein. C'est nous qui sommes obligés de venir vous aider. Bon bah du coup on va arrêter la vidéo ici. En espérant que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, de liker si la vidéo vous a plu, de vous abonner à nos chaînes, ça nous ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes de Elite Dangerous et d'autres jeux. Allez, encore merci, allez bye les amis. Allez bye les dragons.
10 euros, je veux Pokémon rouge.